retenir que la Tunisie est l'invitée d'honneur de cette année, accompagnée par l'Orchestre National et le maestro Amin Kouider, les ténors Ben Abdallah Yanis, Lara Hamadi et Raga Ad-Din ont présenté de grandes œuvres de compositeurs célèbres inscrits au répertoire classique universel. L'idée a été déclenchée par les trois ténors Carreras, Pavarotti et Domingo. À l'origine, en Europe, c'est l'idée, elle est née de là-bas. Mais après, ils ont tous repris le cliché trois ténors dans moyen, grosse et importante production. Mais l'idée d'avoir cette étiquette arabe est nouvelle, disons. Voilà. On a pris quand même le grand répertoire, hein, les grands tubes d'opéra, les Verdi, Puccini, Bizet, Carmen. Et c'est un répertoire qu'on chante régulièrement, Raga, Hamadi, moi. Donc ça a été facile. En tout cas, on était détendus, nous, tous les trois. Voilà, ça se sent, hein, ça se sent si le public est réceptif, comprend, apprécie. Et la vérité, je suis heureux plus parce que l'idée que nous allons proposer est une idée farida de son genre et la première fois que ça se passe dans le pays arabe. C'est l'idée de rassembler entre trois chanteurs d'opéra, sous le ténor. En marge du Festival des Masters seront organisés à l'Institut National Supérieur de Musique. Lancé en 2009, le Festival Culturel International de Musique Symphonique est le lieu privilégié pour l'échange, la symbiose et la paix entre les peuples.